Eh bien, on peut dire qu'ils ont adoré mon discours. Alors, on a avancé. On s'est dispersé et déployé pour atteindre les canons le plus discrètement possible. À un moment donné, on a été séparés des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie, là. Der Kommandant will nicht, dass wir die Nelöre gefangen nehmen. Das sollen wir anders regeln. Und der Landi! Und der Landi! Wurde immer schlimmer. Mon Dieu! So voller Dreck, war? Non. Quelle horreur. Je me disais, t'as mis trop de temps d'aimer. C'est trop tard. Barrage droit devant, avec des gardes allemands. Je dois surtout pas me faire repérer par ces patrouilles. Essayez de communiquer maintenant. Encore des morts. Difficile d'imaginer qu'il y ait encore des survivants ici. On s'accroche à ces petites victoires, car le combat est sans fin et il faut aller de l'avant. Oh,
attaque le canon suivant. Allons-y. Idrissa, te voilà. Je savais que tu t'en sortirais. Regarde ça. C'est ça que tu voulais, hein? Je t'avais dit qu'on ne devait pas avancer sans soutien. Mais on a gagné. Les Allemands prennent la fuite. Ne vous approchez pas, espèce de Schweinhund. On n'avait pas gagné. On n'a pas part en retraite. Vous allez crever. Vous êtes cernés. On va contre-attaquer et vous écraser. Personne ne saura jamais que vous étiez là. On va mourir. Ma femme, mes enfants. On va mourir. Regarde ses yeux. Tu veux vraiment que ce soit lui qui gagne? Il nous déteste parce qu'il pense qu'on est inférieur. Si on recule maintenant, tous ces hommes seront morts pour rien. Attends. Il pense qu'on va rester là, ou bien battre en retraite. Le plus gros de leur force se trouve dans les bois, donc...